un poil haut. Ah bonjour, quelle chaleur, allez avec elle. Elle est bizarre, la suivait comme un pot de colle. Elle s'accrochait à moi, à mes chaussettes. Comme un poisson pilote à sa recette. Je lui dis va-t'en, j'ai pas le temps, il faut que je décolle. Mais elle m'écoutait pas, elle était un peu folle. Elle attendait de moi que je m'arrête. On a pris de mes pieds jusqu'à ma tête. Donc le festival est né il y a 5 ans, ça partait d'un projet qu'on avait avec des jeunes de Villers-la-Ville sur un échange avec une association de la banlieue de Dakar, et on cherchait un des moyens de financer le projet. Et naturellement, l'idée de monter un petit festival dans la commune de Villers-la-Ville est née, et ça nous permettait de faire passer un peu le message qu'on avait envie de communiquer par rapport aux relations Nord-Sud, etc. C'était un petit festival de 200 personnes, et puis on a remis le couvert l'année d'après et on a eu beaucoup plus de succès. On a fait 700 personnes. Et l'année d'après, comme on a voulu encore grandir, et on a pu intégrer les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Et là, le festival a pris une autre dimension avec plus de 3000 personnes. D'avoir une ligne de programmation qui est résolument festive et ouverte sur les musiques du monde, et on aime aussi beaucoup la chanson française, donc on mixe un peu les deux. Et donc on a des groupes à l'affiche comme Babylon Circus, Thomas Fersen, Debout sur le Zinc, mais on a aussi Freddy Massamba, Ntoumos ou le Desert Rebel Sound System. Derrière le festival, en fait, on a une démarche où effectivement on a ce projet au Sénégal qui existe et qui existait avant le festival et qu'on essaye de financer entre autres par ce moyen-ci. Mais on a une démarche aussi par rapport aux relations Nord-Sud, par rapport au commerce équitable, où sur le festival on utilise des produits 100% équitables ou issus de production locale, parce que pour nous c'est du commerce équitable aussi. On travaille beaucoup avec des commerçants de la région, des produits locaux, etc. Au-delà de ça, le festival est 100% bénévole. On fait tout ça sur notre temps libre pour organiser le festival. Et on essaie, oui, de faire passer ce message multiculturel avec les moyens qu'on a. Je m'appelle Freddy Massamba, je viens de Brazzaville, Congo, le petit Congo. Et je suis en fait à la base danseur, chorégraphe. J'ai travaillé tant d'années avec une très grande formation de percussion, les tambours de Brazza. Alors la première fois que j'ai eu une discussion avec mon manager en parlant de ce festival à Villers-la-Ville, il m'a touché. Il y a un point qui m'a touché dans la discussion, c'est qu'il me disait, Freddy, c'est très important qu'on fasse ce festival, parce que le fond, ce qui va être récolté, ira en Afrique pour aider un quartier du Sénégal. Isaza, c'est quoi ton problème? Arrête d'ingérer tout ce qui traîne. Troquer ma revue sur les gaines, ça va pas te rafraîchir la laine. Arrête de me briser les noix. Si
sinon je te donne au chinois. Zaza, tu pleures dans un rocker. Zaza, je plaisante, t'es fatigant. Zaza, l'hiver, mais t'as grossi. T'as pris des fesses, t'es très sexy, ouais.